Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de la Jungle Gaming. Donc, je vais vous faire une petite vidéo là pour vous montrer un petit game là, qui me fait triper particulièrement en ce moment là, BIMNG là, BIMNG, je sais pas comment on dit. Il est plutôt bien sympa. Donc voilà, c'est un jeu avec la physique qui est super bien retranscrite pour les véhicules. Donc on va déjà faire un petit saut avec cette voiture, vous allez voir ce que ça donne. On va dire que c'est assez rigolo. C'est là que ça va être marrant. Véhicule se défonce assez bien quoi. Comment j'ai fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tester avec une petite comme ça là. Ouais, c'est parti. Voilà, tant que ça part. Ok, le pot d'échappement est là. Tout défoncer la caisse. Allez, on va changer de bagnole, on va prendre quoi maintenant? On va prendre un petit camion, un petit bus. Une voiture de flic. C'est assez marrant comme jeu, ça fait. Allez, on va défoncer la voiture de flic. S'il me semble bien, on peut aussi mettre les. On peut activer les phares, les gyrophares et tout. On va regarder ce que ça donne. Hein. J'avoue que je vais tester en même temps que vous, ce que j'ai jamais essayé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Shift droit. Juste un truc qui me turlupine, moi. C'est une ça m'énerve. Pourquoi ça passe toujours en. Voilà. Alors. Système électrique. Ah. Voilà, regardez. On va mettre les feux avant. Wouhouhou! Dommage qu'il n'y ait pas les sirènes. Hey, go, 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 go! Oh putain, le con! Course-poursuite! Course-poursuite, les mecs, on y va, c'est parti! Allez! Et la police fait des ravages! Oh putain, manque d'huile dans le moteur! Oh là là là! On a tout défoncé la caisse. Manque les autres, mais. Hop, un petit tour dans la piscine. Bah, elle va bien moins marcher comme ça, moi je vous le dis. Qu'est-ce qu'on va tester maintenant? J'essaierai de télécharger un peu des mods là pour. Qu'est-ce qu'on a comme voiture? Fourni par le jeu, tout ça. Donc, comme vous voyez, c'est des représentations un petit peu des véhicules qui existent, mais sous d'autres marques. Sous d'autres modes, là, comme vous voyez, c'est BMW, il me semble, si je dis pas de conneries.
Allez, on va prendre celle-là. Elle a l'air pas mal, elle a l'air de coûter cher, elle a l'air d'être sympa, éclatée. Oh, mais quel con. Oh là 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 là, j'ai fait de la merde, les gars. Je vous montre tout, hein. Même quand je fais de la merde, au moins. On va refaire un petit saut là sur le celui-ci là. Voilà. Faut bien que je me remette à mon point de départ, sinon après bah tu peux pas partir en haut de la rampe quoi. C'est la merde, c'est la merde. Ok, bon, on recommence. Allez, c'est parti. On va aller chercher le véhicule qu'on avait pris là. Je me souviens plus c'était lequel. On va bien le retrouver. On n'a pas non plus des millions. Hein. Il est où ce machin? Il est où ce con? De toute façon, dans tous les cas, il va pas finir dans l'état qu'on le voit là. Ouais, petite Audi 80. Ah, elle est là. Voilà. Voilà. Comme vous le voyez. Hein. Plutôt joli pour l'instant. Putain, elle vole, elle vole, elle vole, elle vole. Ouh là là, celle-là. Ouh, presque au bout, les gars. Pouah! Démonter la caisse. Mais il reste pas grand-chose là. Putain! Comme je kiffe la façon dont ça se défonce dans tous les sens. C'est un truc de dingue. Allez, on refait le saut avec la même. Ah là, on refait la même. Mais là, ce coup-là, on va tenter. Est-ce que la marche arrière va tenir? Le moteur, est-ce qu'il va casser? On ne sait pas. C'est parti, test numéro 2 en marche arrière, les gars. Oula, on est au fond. Système de distribution endommagé. Moteur a lâché. Le moteur a lâché, les mecs. C'est foutu, elle est en roue libre. 180, 190, 194. Oh putain de merde! Quand même moins éclaté que tout à l'heure. Je garantis pas de la sortie vivante du chauffeur quoi. Allez, on change de véhicule. On va passer un peu plus haut. C'est fini les voitures de course rapides. De toute façon, c'est une vidéo test, hein, les gars. Elle va pas durer très longtemps. Je fais un test. Voir si ça vous plaît d'autres vidéos que sur GTA RP. Si je vois que ça plaît, bah écoutez. J'essaierai de. Oh, quoique celle-là elle est intéressante. Ou des petits machins bouig bouig là, comme ça. Il y a des petites Porsche. Petite voiture. Oh! On va quand même celle-là là. On va la tester. J'ai bien envie de la tester celle-ci. Représentation de la Subaru. Gendarmerie. Oui. On met obligatoirement quand même bien faites les voitures. Allez, c'est parti. Oh, elle a mangé le pare-choc avant. Elle s'est mangé le pare-choc avant. Oh là là, le gyrophare il est parti. Ouais, quand même, tiens, pas mal tenu le coup. Hein. Bon, il a un peu le volant dans le bide, un peu dans le menton. Enfin voilà quoi, elle est éclatos quoi. Bon, on va la retenter. J'ai envie de la retenter avec celle-ci là. Pas concluant pour moi. On va essayer de prendre plus de vitesse au débarrage.
faire de l'éclatos un peu là, au début là. Puis on va tenter une petite, petite truc là. On va essayer de partir par le côté là. Histoire de. Oh putain, ça a pas marché. Wow! Ouais, bah écoute, on n'est pas allé bien loin. Hein. Mais là, il a mangé sévère le capin à la carte. Il a mangé. Il a mangé l'auto, le tonton. Bon, bah voilà. Allez, comme j'avais dit, on passe à plus gros. On passe à plus gros. On va descendre plus bas direct. Hop, 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 hop. On va pas perdre de temps. On va passer dans les autres véhicules sinon. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Un petit bus? Un petit bus zèbre. Oh mais quel con, j'ai fait la même connerie que tout à l'heure les gars, putain. Pardon pour les gros mots. Voilà, un petit coup de chargement encore, hein. Allez, on va reprendre notre petit bus zèbre là. Si je fais les choses correctement, ça serait déjà peut-être mieux. Hein, les bus zèbre. Bus zèbre. Il est où le bus zèbre? Il est par là, je crois. Il est là. Il est là, je l'ai vu. C'est parti pour la destruction. Bonjour, il va même pas se casser, hein. Bus zèbre. Zèbre à tour, c'est parti! Vous voyez comme quoi là. Oh putain! Et voilà, le moteur a lâché. Oh ça doit être lourd comme véhicule. On va le retenter. Hein. J'aimerais bien qu'il s'éclate un petit peu plus. Test number 2. Putain, le con. Ferme-moi ce menu. Ah. Il veut pas se retourner, ce con. Dernier test, sinon on change de véhicule. Là, j'aimerais bien qu'il se retourne en fait. Dans tous les cas, après 190 km/h, pas besoin d'accélérer. Là, j'ai lâché l'accélérateur. Moteur, il lâche. Là, voilà, il lâche à 192 à peu près. Bon, il reste quand même bien sur ses roues, ce machin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Ouais, on va changer. Je vais me mettre là. Je sais pas, les gars, on va faire un petit truc bien sympa. On va déjà commencer par prendre. Hop, alors, gérer. Hop, 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 hop. On va pas se faire chier, on va passer directement à du lourd. Du gros lourd.
On va prendre. Allez, celui-là, là. Hop. Qu'est-ce que je vais faire après? Eh ben les gars! On va aller chercher une remorque. Une semi ou je ne sais quoi. Hein? Comme ça on va l'éclater. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre de beau? Qu'est-ce qu'on a comme semi? À boire et on va faire de la pub pour le game. Hop là, elle est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Hop, voilà. Là, non, pardon. Ici. Voilà, c'est attelé. Allez, c'est parti, les gars. On va essayer d'y aller avec ça, là. Alors ça a peut-être bien plus de coupe, ça va peut-être pas lâcher comme ça. Ah, le nombre de vitesses qu'il y a, le moteur lâchera pas. Allez, c'est parti, vous avez déjà vu un SMI à plus de 200 km/h? Bon, ça a tout pété. Il a défoncé la remorque. On est reparti encore une fois. C'est parti, les gars. Désolé de ma voix de pucelle. J'aimerais bien qu'ils partent vraiment. Je pense que le chauffeur est mort. Comme la plupart des chauffeurs, si dans la réalité ils avaient été au volant de ce véhicule. Je tiens à rappeler que tous ces véhicules sont des véhicules test et qu'aucune personne vivante n'a été mise à l'intérieur. Bien sûr, aucun test n'a été fait sur des animaux. Oh putain! Ah bah là oui. Autant dire qu'il reste que le châssis. Ouais, je vais refaire une petite dernière montée. Et ensuite les gars, on va changer de véhicule. Ouais, pardon. J'étais en train un petit peu de bugger là. J'aimerais bien que la SMI arrive à complètement s'écraser, ça serait top du top ça. Livraison express, c'est parti. On va tenter de se prendre le 200 de ce côté maintenant. Oh putain, le 100, le 100, le 100. Oh non, 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 non. Oh là 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 là. Oh là là. Regardez la SMI là-bas. Complètement défoncé le bordel. Oh là là là, on a qu'à. Allez, juste pour le plaisir, je la retente. Sévère. Alors je pense qu'on doit pouvoir se mettre en multi sur cette rampe là. Et jouer à deux. Fond de cale le camion.
Hop, on va essayer juste d'aller un peu plus loin. Là, parfait. Part un petit peu sur la gauche. Bim! Pour la décrocher, la smith. Elle est restée sur place. Elle est restée sur place. Oh, le moteur tourne encore. Heureusement que c'est des camions robots. Allez. Petit dernier, on va changer de véhicule. Je vais vous montrer. J'utilise un peu mon langage de tous les jours, ce qui fait ma marque de fabrique. Mettre une petite BM. Alors, quelle on pourrait tester? Alors, autant vous dire que les modèles modés sont pas. Sont bien faits, mais. Allez, on va prendre le véhicule que j'avais avant, une 320D. Que ça doit être fait par des modeurs ou je ne sais qui. C'est bien réalisé, mais à mon goût je préfère les véhicules internes au jeu quoi. Si même si vous voyez, elle est quand même jolie quoi. Là, on va manger l'avant. Ouh là, les doubles backflips. Ah, le moteur inondé. Moteur noyé. Allez, on la retente avec celle-ci. Ok. On va tenter en marche arrière. Go! Go, 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 go! Donc, qui dit marche arrière? Une marche arrière à plus de 5000 tours. Moteur à casse à 110. Mais il prend toujours de la vitesse. Moteur en roue libre. Attention, prêt au décollage. Putain de merde! Pardon, désolé des gros. Ah, j'aurais trop aimé qu'elle se prenne le truc du milieu là. À mon avis, elle aurait pris Chico. Voilà, tenter comme ça. Oulala, ça pue là. Ah bah non. On a d'avoir une petite rampe sympa là-haut. Mais je sais pas où ça nous fait atterrir. Allez, on teste un dernier véhicule et ensuite je vous laisse les gars. Tout en bas. Oh, il y a des trains. J'avais même pas vu. Alors est-ce qu'on peut prendre le train? Mais bon, un train sur la route. Je suis pas sûr que ce soit très concluant. Thank you.
pense qu'il faut des rails. Ça, ce sera, j'y testerai avant de essayer de faire une vidéo avec le train, parce que je sais pas du tout comment on fait à vrai dire. Qu'est-ce qu'il y en a ici? Je sais pas du tout. Un petit test avec alors est-ce que sur ce genre de machin il y a un attache remorque? Si un attache remorque ça peut être sympa. Un test. Pas sûr que ça fonctionne, mais qui ne tente rien n'a rien. Hop, 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 hop. Bon, pour le coup, je vous dis que j'arrête, mais en fait, j'arrête pas. Allez, on va prendre la petite camping qui est là. Toute neuve la camping, toute neuve. Ah bah bravo. Casse le timon déjà. Alors je sais pas si elle va se crocher. Ah bordel à cul. Non, non, elle a pas le système d'accroche. Ouais, on s'en fout, on saute comme ça, ce sera la fin. Finir là-dessus. C'est parti, mon kiki! Bon les gars, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Allez, je vous fais plein de checks et allez, à ciao, la bise.